Bonsoir et bienvenue à Studio M, le français francophone. Dans les 30 prochaines années. Ça y est, Galix est en campagne. Et donc, on va accueillir... on va accueillir Emmanuel qui vient nous emmener... Parce qu'on fait le tour du monde dans cette émission, oui, mine de rien. On fait le tour du monde, on va aller en Martinique. On va en Martinique. Merci, Galix, pour une exposition, vous allez voir, assez surréaliste. C'est Tokamak Atrium, la scène nationale de Fort-de-France. Mystère et boule de gomme. Voilà, c'est le titre de cette exposition. D'accord. Elle est proposée par le plasticien Olivier Moreau. Ses œuvres font appel en fait à l'imaginaire, au mystère et au rêve. Alors par exemple, regardez cette image. Dites-moi si vous voyez la femme du magicien. La femme du... Ah, c'est passé. Là, je la vois. Elle est couchée et elle nous met le talon dans le... C'était pas ça. Non. Mais en fait, Olivier Moreau cherche à produire des images originales. Pour lui, il faut que l'image reste mystérieuse. Elle ne doit pas être facile à lire, en fait. En gros, il utilise la peinture à l'huile, l'acrylique, le montage, le collage, la photo, même l'électronique. Et il aborde différents thèmes, l'imaginaire, la femme, la mère ou la science-fiction. Donc, est-ce qu'on va pouvoir voir le mystère de cette femme du magicien ou pas? Alors, non, il me montre les petits trois panneaux, parce qu'il y a trois panneaux du début, voilà. Les trois panneaux du début sont réorganisés comme d'accord. Un puzzle, voilà. Et c'est la femme du magicien, c'est le premier panneau qu'on avait vu au début. Voilà. Alors, si ce n'est pas clair... Voilà, si ce n'est pas clair... On prend l'avion, on y va. Vous allez en Martinique, c'est jusqu'au 26 février 2011, et c'est Tokamak Atrium, la scène nationale de Fort-de-France. Et pour plus d'infos, www.tokamak.asso.fr. Et il y a également la cybergalerie d'Olivier Moreau, www.omoreau.com. Voilà, ça s'écrit là, comme ça? Oui. Merci. Voilà. Merci, Emmanuel.